Soyez la bienvenue une fois de plus sur Canal 7 et à ce rendez-vous, cette prof. L'adjectif qualificatif, comme on le sait, s'accorde en genre et en nombre avec le mot qu'il qualifie. En général, on forme le pluriel des adjectifs en ajoutant un S au singulier. Un fil fin, on mettra S à fin. Une armoire noire, on mettra S. Un fruit mûr, on mettra S à mûr. Toutefois, retenons qu'il y a des pluriels tout à fait particuliers. Le premier cas, les adjectifs qui se terminent en E, A, U et qui font le pluriel en X. On a exemple, un beau fruit, on dira des beaux fruits, on mettra X à la fin. Et un nouveau programme, on mettra X à nouveau. Le deuxième cas, les adjectifs terminés par S ou X au singulier ne changent pas au pluriel. C'est le cas dans l'exemple suivant. Le chemin gris, gris restera toujours avec IS. Un habit poussiéreux, poussiéreux toujours avec X. Les adjectifs en AL qui font leur pluriel en AUX. Exemple, un record mondial, des records mondiaux. Mais attention, bancal, fatal, natal, naval font leur pluriel en S et non en AUX comme on peut le penser. Des meubles bancals, des buts fatals, des chantiers navals. Par contre, banal, dans le sens de désigner la féodalité, le Moyen-Âge fait son pluriel en AUX. Comme exemple, des moulins et des pressoirs banaux. Mais quand il désigne quelque chose ou quelqu'un qui est sans originalité, sans importance, il prend la marque S. Les compliments banals, par exemple. Alors, à vos stylos maintenant. Les sept mots du jour. Mettez au pluriel les expressions suivantes. Un journal régional, des journaux régionaux. Un caramel mou, des caramels mou avec S. Un détail banal, des détails banals avec S. Un cheveu roux, des cheveux roux avec X à la fin. Un jour nouveau, des jours nouveaux avec E-A-U-X à la fin. Un village artisanal, des villages artisanaux avec X à la fin. Et enfin, un geste gracieux, des gestes gracieux. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Portez-vous bien et à très bientôt sur Canal 7.